Voici les questions, et comme ils sont très forts, ils ont les réponses. Culture générale, indice. Christian me dit, oh. Christian, culture générale. Je garde la main. Ok. Quel est? Top. Ce type d'équipe, placé sous l'autorité d'un chef appelé gros bonnet dans le langage professionnel. Je suis aujourd'hui de moins en moins représenté en raison de l'évolution du matériel et de l'emploi des produits semi... Une équipe de cuisine. La main passe. Top semi-élaboré, composé notamment d'un... Une brigade. Et oui, c'est une équipe de cuisine, c'est une brigade. Pourquoi brigade? Parce que souvent organisée ben, un peu sur le mode militaire, hein. Ça rigole pas en brigade de cuisine. Hein. Composé notamment de quoi? D'un entremétier, d'un rôtisseur, d'un saucier, c'est presque un poème, d'un poissonnier, ou encore d'un pâtissier. Je comprends aussi des commis, des apprentis, chargés de la confection des mets d'un restaurant. Je suis une brigade. Trois jolis points pour Luc, qui a la main et la stratégie en main. Maintenant, Luc, pour une question, indice à la maison de cinéma. Je laisse la main. Top, film de 1968. J'ai reçu en 2018 un hommage à Cannes en présence de mon acteur principal pour les 50 ans de ma sortie. Débutant dans le désert à l'aube de l'humanité, lorsque des primates découvrent un monolithe noir et l'usage de la première arme, je... 2001, l'Odyssée d'espace. Et oui. Vous y pensiez, Christian? Oui, j'ai vu. J'ai vu à peu de choses. J'ai vu, quand j'ai dit primate, monolithe, hein, et hop, mais la main est passée. Cette scène, d'ailleurs, hein, du primate et du monolithe noir, c'est une beauté. Évidemment, on parle des grands classiques du cinéma. Je me déroule principalement 4 millions d'années après, dans un vaisseau spatial piloté par le fameux ordinateur HAL 9000, film de Stanley Kubrick. Kubrick, alliant métaphysique et science-fiction, je suis 2001, l'Odyssée de l'espace. Souvenez-vous, une des musiques. Le film était magnifique, la bande originale était magnifique. Ça, c'était Ainsi parlait Zarathoustra. Hein, Zarathoustra, Nietzsche, mais bien sûr ici, Strauss. 6 points, rien n'est joué, Christian. On vise les 12 points. Et on cherche maintenant un homme célèbre. Je laisse la main. Homme célèbre. Top intellectuel français, disparu en 2008. Je suis l'auteur notamment du Soleil coupé en 1948 et de la tragédie du roi Christophe en 1963. Créant le journal L'étudiant noir en 1934 avec mes amis Damas et Sangor, je suis l'initiateur du concept de négritude. Aimé Césaire. Négritude, Aimé Césaire. Que je popularise dans Cahier d'un retour au pays natal. On parlait d'un intellectuel, poète aussi, bien sûr, député de la Martinique. Hein. Aimé Césaire, une plaque me rendant hommage a été inaugurée en 2011 au Panthéon. Une plaque à la mémoire d'Aimé Césaire. Rien n'est joué, Christian, jamais, à ce jeu, et c'est ce qui en fait la beauté. Mais Luc a pris l'avantage, et il a la main. Géographie. Alors, l'idéal, ce serait une bonne réponse à 4 points, mais quelle stratégie prendre, Luc? Je vais tenter. Ah. Prends la main. Géographie. Top ville des Pays-Bas, dans laquelle s'installa en 1572 le Stadhouder Guillaume Ier de Nassau. Je suis le lieu où sont inhumés les princes de la maison d'Orange. M'étant enrichi avec l'industrie de la laine et des brasseries et avec le commerce de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, je suis situé entre La Haye et Rotterdam. Réputé pour mes faïences bleues, j'ai été représenté par Vermeer. Delft. Excellent. Par Vermeer. Dans une célèbre vue de Delft, je suis Delft, D-E-L-F-T. Un premier point, Christian, qui, je l'espère pour vous, en appelle d'autres, d'autant que vous avez la main pour de la musique. Je garde la main. Musique. Attention, à la maison aussi, vous l'avez peut-être. Quel est
top cette chanson italienne avec laquelle Domenico Modugno remporta le premier prix du Festival de San Remo en 1958. J'étais originellement intitulée Nel Blu Dipinto di Blu. Elles ont été interprétées par de nombreux artistes comme Dean Martin, J'évoque un rêve merveilleux, et également été adaptées avec les Gypsy Kings en 1989. Chanson dont le titre est constitué d'un verbe italien que l'on fait rimer avec cantare. Dans le refrain... Et je vous fais écouter la version des Gypsy Kings, hein, ça va peut-être revenir. Et question pour un champion, c'est ça, c'est ainsi par les arts, tout ça, c'est Strauss, et puis c'est Gypsy King aussi. Hein. Volare, hein? Le titre de la chanson que nous cherchons, c'était, on l'a entendu d'ailleurs ici, Volare. Les scores sont inchangés. Luc retrouve la main. Toujours la question de la stratégie. Laquelle? C'est pas facile de choisir. Animaux. Je prends la main. Top. Larve de l'arachnide Trombicula autumnalis, également appelée rouget ou vendangeon. Je. Laouta. Sans hésitation. Trombidion, Aouta, Rouget. Et vous avez bien raison, car c'est la bonne réponse. 12. Ouh, la Luc. Forme olympique. Christian, là, je crois que Luc, ce soir, avait la vista. Un grand merci à tous les deux. Merci, Christian. Champion, vous êtes champion. Vous restez.